toi un peu. Fais attention, t'exagères. Tu vas fort, tu sais. C'est la dent tranquille. Vous voyez pas que vous la rasez, non? Ah, si j'étais à votre place. Oui, ben vous y êtes pas. Je le regrette pour moi. Et pour elle. Vous n'êtes jamais regardé dans une glace, non? C'est gentil pour moi ce que vous dites. Laisse, cocon. Mon jeune ami, j'ai peut-être pas reçu comme vous une excellente éducation, mais je sais me tenir avec les gens qui m'invitent. Eh ben, Paul, qu'est-ce que tu fais? Nous l'en tirons. Viens, cocotte, on les remet. C'est payé. Comme d'habitude. Paul s'en va? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a que monsieur est grossier envers mon meilleur ami, un homme dont je dépends. Un monsieur qui a tout le pinard du midi dans sa manche. Tu sais vraiment pas vivre, mon petit Robert. Pas genre de vieillard, en tout cas. Et heureusement qu'il n'y en a plus pour longtemps. Ah, ce coup-ci, on s'en va. Il y a un mandat? Oui, de quoi régler ici et prendre les billets pour Clermont-Ferrand. C'est tout? Ben, ça suffit. On a assez fait de folie comme ça, non? Et puis papa marche plus. Il a été bien gentil, mais maintenant il est pressé de nous voir, ça se comprend. Moi aussi. Il a bien vu que sans toi, il n'y avait rien de faire. Tiens, écoute ça. Ta mère et moi ne comprenons rien à ce retard après une telle absence. Tu devrais avoir hâte de nous faire connaître celle que tu as choisie. Il se méfie. Mais non, mais non. Nous sommes sûrs que malgré son jeune âge, elle est digne de toi. Et que tu n'introduiras pas dans notre famille une jeune fille dont ta mère ne pourrait pas être fière. Non, mais pour qui elle se prend? Ne dis pas ça, elle est si gentille, tu verras. J'ai pas envie de voir. Comment? J'ai pas envie de quitter Paris. La province, j'en ai soupé. Enfin, mon chéri, mais notre mariage. Et ben quoi, notre mariage? On sera pas plus heureux. On s'aimera pas plus. Pas vrai, Gilbert? Certainement, mademoiselle. Non, mais dites donc, vous. On peut pas rester ici, c'est impossible. À cause de l'argent? T'en fais pas, je vais en avoir. Il y a quelqu'un qui m'a promis une place. Une place? Qui ça? Monsieur Paul.